À l'étranger, l'incarnation d'un paradoxe, il a fait le pari de lever les restrictions en pleine flambée épidémique, mais Boris Johnson se retrouve au même moment forcé de s'isoler. On va prendre la direction de Londres. Bonsoir Valérie Lerouge. Valérie, le Premier ministre britannique, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, a souligné que le variant Delta est extrêmement contagieux. Il est lui-même cas contact. Oui, Boris Johnson, cas contact, est contraint de s'isoler dans sa résidence de Chequers où il passait le week-end et où il a fait cette vidéo. C'est le cas aussi de son ministre des Finances, car tous les deux ont rencontré le ministre de la Santé, testé positif au Covid hier, malgré une double vaccination. Alors ça ne pouvait pas plus mal tomber pour le gouvernement britannique, qui met un point d'honneur à lever les dernières restrictions demain, et ce, malgré le nombre de contaminations qui explose, hein, plus 48 000 encore aujourd'hui, et ce, malgré l'avis contraire des scientifiques également. Qu'à cela ne tienne, demain, eh bien, c'est ici la fin du masque obligatoire, la réouverture des discothèques et des salles de concert, sans limite de jauge. Et sans passe sanitaire, c'est aussi la fin de l'incitation au télétravail. C'est ce que Boris Johnson avait appelé le Freedom Day, le jour de liberté. Il ne va pas pouvoir beaucoup en profiter et il a appelé ses concitoyens à rester très prudents. Merci Valérie, on suivra ça bien sûr dans les semaines à venir.